Bonjour à tous et à toutes, je suis Alicien, ça y est, enfin, il est là, le voilà, il est beau, il est grand. Le rétro sur le Prince de Perse, les Sables du Temps, sur PC. Enfin, après la version Game Boy dégueulasse, enfin une réversion, une version plus connue, avec plus d'histoire. Donc, Prince of Persia, les Sables du Temps fait partie de, si je dis pas la merde, la trilogie des Sables du Temps de la saga Prince of Persia. Si je me trompe pas, il y a les Sables du Temps, les Sables, l'âme du guerrier et les deux royaumes. Il y a aussi eu un reboot qui est sorti en 2011-2012, je sais plus trop, où là le prince il est roux et ça c'est une aberration. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Il est sorti en 2008 donc sur PC, sorti aussi sur PS2 et GameCube. Voilà, je pense avoir fait le tour. J'ai fini le jeu, pour info. J'enregistre ça le lendemain de quand j'ai fini le jeu. Je suis très content d'avoir fini. Alors attention, vous voyez bien, j'ai fait toute cette merde. J'ai fait toutes les sauvegardes possibles. Donc ça, c'était le petit test pour voir si tout allait bien. D'ailleurs, je m'excuse par avance si vous voyez les framerate, enfin les FPS de Fraps. Faudrait que je corrige ça. Donc en gros, on peut dire que j'ai fait le jeu en 6h20-25. Ce qui est quand même pas mal. Donc tac, nouvelle partie. On y va. Et nous y voici. Alors nous contrôlons le prince. Alors il y aura beaucoup d'éléments de gameplay à expliquer. Je pense que la vidéo va durer plus longtemps que n'importe quel rétro au monde. Excepté le Castlevania 1 qui était d'une qualité dégueulasse. Mais il faut que je vous explique un petit peu les principaux éléments de gameplay qui vont revenir. Donc tac, on y va, c'est parti, et cinématique. Les gens pensent que le temps était le fleuve, suivant toujours le même cours. Et moi je l'ai vu face à face, et je vous assure, ils se trompent. Le temps est un océan dans une tempête. Vous vous demandez sûrement ce qui me fait dire ça. Asseyez-vous et laissez-moi vous conter l'histoire qui est la mienne. Pour commencer, je suis le fils de Charaman, roi tout-puissant de Perse. Nous étions partis à la tête d'une petite troupe à travers l'Inde en direction de Azad. Durant ce voyage, la soif d'honneur et de gloire de mon père nous a fait commettre une erreur fatale. Femme, fils. J'espère que vous serez fidèle à votre promesse, sire. La salle du trésor du Maharaja se trouve ici. Ah ! Regardez-le. Un vrai fils de guerrier. Remarquez que le cheval est assez intelligent pour le propulser avant que ça tombe. Croyez-vous que j'ai éprouvé des regrets en voyant la destruction, le fracas des armes et les cris d'horreur? Non, je n'ai pensé à rien de tout ça. En cet instant, je n'ai pensé qu'à une seule et unique chose. Combien mon père serait fier de voir son fils combattre comme un vrai guerrier. Tac, ouais, donc on est dans le jeu, ça y est, on contrôle le prince. Une explosion Michael Bay du passé qui détruit les 4-5 personnes qui étaient en train de défoncer la porte. Donc, hop, alors, molette souris pour zoomer des zoomés. Et pour faire des rotations autour du prince, regardez ce prince, il est beau. Il est super bien modélisé. Qui porte une tenue typique de Perse, une capuche typique de Perse, un habit bleu, très très beau, un superbe pantalon blanc, assez ample, et des bottes en cuir de je ne sais quoi, armé d'une superbe épée, et d'un petit pochoir qui servira pour plus tard, et oui, oh là là. Donc là, oh là là, ZQSD pour avancer, les mouvements de caméra qui font de la merde. Donc ZQSD pour avancer, A pour changer de caméra, changer la vue de la caméra et on peut zoomer.
Regarde, c'est ouais, je peux même m'avancer, mais ça c'est super moche. Donc j'en reviens à la vision normale. Espace pour sauter, ou bien lorsqu'on a un mouvement pour roulade. Ça sert à rien contre les murs. Alors sur les murs, avec clic droit, on peut faire une action. Alors j'appelle ça action spéciale, mais on peut faire plein de choses. On peut aussi faire autre chose, mais je vous montrerai ça plus tard. Donc là, près des petits morceaux de blocs qu'on peut monter, là c'est automatique. Hop, le principe saute, il monte tout ça. Et donc là, quand on court et qu'on est près d'un ravin, il faut appuyer sur la tasse pour sauter. Voilà. Alors je veux dire beaucoup de voilà, mais voilà. Va falloir vous habituer. Donc là, clic droit, hop, là on saute, on va un petit peu plus haut. Et là, oh mon dieu, les mecs savent pas viser. Alors saute, magnifique mouvement de caméra. Et là, bon alors là, soit je le passe en saut, soit je le passe comme ça. Le wall. Putain. Attendez, ça faut que je trouve. Le wall run, ça y est, j'arrive à la retrouver. Donc le wall run qui permet de faire des trucs ultra pétés. Normalement, le prof devrait parler. Non. Non, très bien. Donc là, en cliquant sur... avec clic gauche. Oui, c'est clic gauche. On active le mat combat, j'ai envie de dire, du prince. Qui peut attaquer. Alors c'est pour rentrer l'épée, donc annuler le mode combat et revenir en mode, on va dire, découverte. Petite cinématique. Alors le mode combat qui présente quelques changements. Donc voilà. Mode combat, le prince lock automatiquement un ennemi. Cet ennemi, on peut lui donner des coups. On peut aussi parer son attaque, enfin le bloquer, on peut parer. Alors là c'est un petit peu complexe pour parer vu qu'il faut faire parer, il faut garder la garde et faire un clic gauche au bon moment pour faire un contre. Ça, regardez lui, bon alors, ce qu'on peut faire, alors attendez, je vais essayer d'en montrer, raté, donc je perds la vie, ce que vous voyez en haut, à gauche c'est ma vie représentée en bleu, donc je peux aussi faire ça. Alors attendez, c'est ennemi, avancer vers un ennemi, normal, je suis en train de, je vais décider si je le fais. Voilà, attendez, j'en tue un, voilà, magnifique moment du prince. Alors avancer vers un ennemi plus espace, petit ralenti, et on peut attaquer deux fois avec l'épée. Donc je martèle ma souris, mais c'est pas tout. Donc là le prince qui est stylé, qui a le moment préparé de calculer pour ranger l'épée et une autre arme, je ne dirai pas laquelle, et normalement il devrait parler. Ce jour-là, de nombreux hommes ont cherché à se couvrir de gloire sur le champ de bataille, afin que le roi leur dise, comme Khosrow avait dit à Rustam, « Tu es le plus noble de mes guerriers ». Mais dès que le combat a commencé, j'ai su que je n'y avais pas ma place. La fierté de mon père, je la gagnerai non pas en tuant, mais en trouvant la salle au trésor du Maharaja et les merveilles qu'elle recelait. Voilà, donc là, alors là, sur les fontaines, sur les lieux d'eau, on va appeler ça des lieux d'eau, on peut remonter notre vie. Le seul problème, c'est qu'au fur et à mesure, comme vous allez vous en douter, bien sûr, vous connaissez le jeu, notre vie, on peut l'augmenter via des zones secrètes, et au bout d'un moment, eh ben, la vie, il va falloir plus que une... on va dire une lampée pour la retrouver entièrement. Et à savoir que pendant les combats contre des gros enfin contre plusieurs monstres, et ben c'est je dirais que c'est assez risqué mais plus prudent d'annuler le mode combat et de reprendre sa vie plutôt que d'utiliser des sables. J'ai complètement spoilé la dague du temps, c'est pas grave. Donc là, alors je peux faire un truc, je peux faire un suicide magnifique, mais je le ferai pas. Pour la simple bonne raison que j'ai pas envie de crever comme une merde. Alors là je vais ressortir en mode combat, je vais vous montrer autre chose, est-ce que j'arrive à le faire. Voilà. Alors là c'est. Faut que le prince lock un ennemi, que vous alliez contre un mur, et que vous maintenez la touche de déplacement contre le mur, et que vous fassiez espace plus clic droit. Ça fait un one shot direct. Ou bien alors, vous appuyez. Alors, que je le fasse bien. Vous appuyez deux fois sur espace. Oh, ça came. Ah oui. Non. Non. Oh, j'arrive pas. Oh, j'y arrive plus. Oh, je n'y arrive plus. Pourquoi? Je vais y arriver, bordel de nom. Non, ok, je me fais marre ma tronche. Tu dégages. Tu. Ok, décédé, je vais essayer sur l'autre ennemi là-bas. Toi, je vais te. Hop, parade. Allez, parade. Parade,
Hop là, petit coup de pied, magnifique. Donc toi, est-ce que je vais y arriver? Ouh non, ça va pas marcher. Alors, peut-être qu'il faut qu'il soit loin. Voilà. Par contre, on doit être assez loin. Et c'est super chiant. Mais vous voyez, c'est super classe en même. Oh, calmez-vous. Mais vous comprenez à peu près. Donc ça, c'est le la base du gameplay du jeu pour l'instant. Qui est de courir sur les murs, sauter, combattre, etc. Recovrer, reprendre de la vie. Faut que j'aille le dire, recovery de la vie. Ça ne veut absolument rien dire. On peut monter les échelles, c'est pas passionnant. Alors ça, c'est pour annuler toutes les actions qui... escalader, se maintenir à une corniche, etc. Alors F pour la vue première personne. Ça sert pas vraiment grand chose. Donc là, hop, deuxième phase de combat. On décède. Je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai fait. Aïe. Hop, parade. Aïe. Hop, parade, coup de pied latéral. Petite esquive. Alors vous vous demandez sans doute pourquoi à chaque fois je range mon épée qui est plus sourcée, parce que à chaque fois que vous réussissez un combat, il y a une petite animation qui est passée au début où le prince il fait le mode trop stylé, je range mon épée, je suis trop dark et tout. Et en fait en cancelant et ben on gagne 3 secondes. Et je peux vous dire que c'est super important. 3 secondes de gagner, c'est énorme. Donc là c'est la petite phase de tutoriel où on vous apprend à comment dire à utiliser l'agrippage aux corniches, donc où la touche C est important. Alors là je vais faire un truc un peu pété, voilà, je vais skipper tout un combat et attention peut-être droit à un ralenti incroyable, voilà. Donc à savoir que là en fait vous pouvez combattre les soldats, mais moi je fais ça ça fait quoi 5 minutes de gagner. Et là, prends un sauvegarde obligatoire. Dois-je reprendre mon récit à partir de ce point la prochaine fois? Non, tu décèdes. Comme vous voulez. Voilà. Donc là, nouvelle phase de gameplay. Donc ça va être le moment où on va récupérer la dague du sang. Donc on va y aller vite. Des petites énigmes de où il faut réfléchir. Regardez ça. Un saut au beau milieu du wall run. C'est magnifique. Et donc ensuite, on a le jump climb. Où en fait, on saute pour monter. Et elle était là, presque hors d'atteinte. La dague du temps. Un trésor que je pourrais arborer fièrement comme symbole de notre victoire. Si seulement j'arrivais à m'en saisir. Donc vous voyez là on fait des choses incroyables, c'est magnifique. Alors en dessous, vous voyez le magnifique sablier du temps, composé de sable. Et attention, je vais porter votre attention sur ceci. Ceci, comme vous le voyez, est une vulgaire image. Alors, vu comme ça, on se dit, ouais, c'est pas vrai. Parce que là, vous voyez, il y a quand même un petit peu d'animation. Mais en vrai, je vous assure que c'est une vulgaire image. Oui, j'avais un petit peu triché, mais on s'en fout. Je fais ça, et puis c'est tout. Et là, oh mon dieu, les systèmes de défense du palais. Enfin, du trésor, quoi. Non, dégage. Ah oui, les mouvements de caméra, ça va être un peu chiant. Donc là on se dépêche, oh là là on court, on évite les poteaux comme on nous l'a si bien dit. Alors je peux boire l'eau qui est en bas, hein, je vous le dis, mais j'ai pas envie. Alors la plupart des choses montrées dans ce jeu sont évidemment réalisées par des professionnels, ne le faites pas ça chez vous, faites-le si vous avez la confiance, mais je ne me tiens en aucun cas responsable de si vous êtes décédé après ça. Non, autre sens. Allez plus vite. Plus vite. Et là c'est beau. Je mets une mention spéciale par contre pour tous les graphismes que vous venez de voir. L'histoire est prenante, mais surtout, la BO du jeu.
est très belle. On va pas se mentir, la BO est magnifique. Oh oui, ma chérie. Non, non, espace, espace. Passé. Donc là, la petite phase d'escale, regardez, c'est beau, c'est magnifique. Vraiment, pour l'époque, ce... Je dis pas que c'est acceptable, mais c'est vraiment un gros, gros travail. C'est du bon travail. Ah oui, il faut que je descende. Et là, hop là, poteau. Alors, en général, quand il y a un mouvement de caméra comme ça, c'est pour vous montrer où il faut aller. Et quel chemin vous devez prendre. C'est beau, bordel. Normalement, je peux descendre sans me faire tuer. Non. Alors ça, c'était la touche saut. C'était passé. Attendez, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Bien. Où en étais-je? C'est bon, vous allez vous rebouffer une phase de gameplay qui va durer une minute. C'est pas grave. Attendez-vous à la voir très très souvent. Donc là, hop là, je sais ce qu'il faut faire. Alors parlons des morts. Parce que même pendant les morts, c'est assez intéressant. À chaque fois que vous mourrez pour diverses raisons, le prince va dire « Ah non, attendez, ça s'est pas passé comme ça, j'ai dit complètement de la merde, je reprends. » Et ça, c'est beau. Enfin, c'est bien. C'est bien, c'est bien apporté par le jeu. Non, mais je m'en fous de ça. Oui, la dague est en haut. Alors, mention spéciale à l'architecte de ce mur. Enfin, de pas de ce mur. De cette statue. Qui est magnifique. Donc là, attendez, je mets mon doigt sur C. Hop, sur C, il tombe. Voilà, c'est beau. Alors regardez ça, c'est beau. Alors il y a de l'eau. Bon, je vais la prendre. Alors une question qu'on va se poser, que vous allez sembler vous poser, c'est à force de boire, comment le prince fait-il pour rester poli, pour emmagasiner toute cette eau dans son corps et ne jamais la vider, hein? C'est une question qu'on se pose parce que vu les nombres de litres d'eau qu'il doit boire, ça fait beaucoup. On va bientôt arriver à une cinématique normalement. Non, non. Ça c'était complètement de la merde. J'ai complètement fait de la merde. Ah bah c'est bien. Heureusement des petits checkpoints. Alors évidemment toutes ces morts ne sont pas du tout fait exprès. Allez vite, on bait. Alors évidemment ça, si vous arrivez à le faire, vous m'appelez. Donc là normalement, petite cinématique. Du sable. Voilà, alors mention spéciale à la phrase. J'avais ce que je cherchais. Du sable. Et il était grand temps de partir. Bien, alors vous voyez ici de nouveau sur interface de nouvelles choses sont arrivées. Donc en dessous de ma barre de vie, il y a un rond qui vient de se remplir. Qui est en fait une durée de 10 secondes dans le temps, ce qui fait que je vais pouvoir monter le temps jusqu'aux 10 dernières secondes à partir du moment où j'active les sables. Et en dessous, ce sont des réservoirs de sable qui montrent de combien de fois je peux remonter le temps. Et alors ça, on est d'accord, c'est un putain de bout de carton. Ouais, on est complètement d'accord dessus. C'est un bout de carton. Non mais là, ça se voit les mecs. Bref, nous avons ce qu'il nous faut. On y va. Alors normalement, si on n'est pas trop con, on utilise le sable pour faire des choses incroyables. Vous voyez, il y a le rond qui se... C'est un petit peu vidé, c'est normal. Alors là, ça peut donner des trucs de fou, genre waouh. Alors là, j'abuse un peu, mais bien pour vous montrer ce que ça fait. Normalement, le prince devait dire j'étais capable de remonter le temps.
Mais il ne l'a pas fait. Alors là, est-ce que je vais arriver? Je vais y arriver sans me faire toucher, bordel de nom. Et c'est un... Oui, c'est... Bah oui, et oui. Et ça, c'est cool. Bon, alors là, on repasse parmi les piliers. Les piliers qui piquent, évidemment. Et normalement, une petite cinématique comme celle que vous avez vue au début. Alors avant, la cinématique que vous avez vue tout au début. La qualité de la cinématique... Vous en verrez d'autres, mais il y en a très très peu, il y en a à peu près 5 à 6. Après, il y aura des cinématiques de qualité avec les modèles 3D in-game. Donc normalement, cinématique, et je vous laisse. Oh. Père, j'ai fait honneur à notre famille. Votre Majesté. Vous m'avez promis de me laisser l'objet de mon choix. Cette dague. Vous priveriez mon garçon de se souvenir de son premier combat? Faites votre choix parmi tous les autres trésors du Maharaja, à l'exception du sablier. Il fera un beau présent pour le sultan de Azad, puisque nous lui rendons visite. À cela, j'ajouterai quelques fauves pour sa ménagerie, et quelques douzaines de belles esclaves. Ça devrait être assez. Aucun animal et aucune femme ne doit être maltraité avant que j'ai fait mon choix. Le roi Sharaman est généreux dans la victoire, qu'on se le dise. N'accordez jamais votre confiance à un homme qui a trahi son maître, car il pourrait bien vous réserver le même sort. Ça, je l'ai appris, à mon grand regret, le jour où nous sommes arrivés chez notre hôte, le sultan de Azad. Mon ami, votre présence en mon humble demeure m'honore et me comble de joie. Ah, le monde entier chante les louanges de Azad. Et vous n'avez rien vu. Je vous apporte les sables du temps. À l'amitié entre nos deux royaumes, et ce, jusqu'à la fin des temps. Le sable, pourquoi brille-t-il? J'ai l'explication. Ce sablier que vous admirez recèle une merveille que nul n'a encore jamais vue. Hélas, seule la dague peut libérer les sables du temps. Et elle appartient à un autre que moi. Un jeune prince valant plus que toutes les richesses aux yeux de son père. Allons, prince, s'il vous plaît. Non. Dans le combat, donc vous voyez cette cinématique est révélatrice d'histoire. Non, pour ma grâce. Donc là, vous voyez, j'ai actuellement la dague que je peux utiliser avec la touche E qui fait. Bah non, là je suis en train de parler. Qui fait ça. Alors pour l'instant, elle fait rien, c'est normal. Là, vous voyez des ennemis
que l'on reconnaît parce qu'ils sont qui ont le ventre jaune et qui ont une tête dégueulasse de zombie. Donc là, évidemment, je peux faire ça. Alors, ces ennemis, donc elles sont comme ça, je ne peux que les tuer en utilisant la dague du temps dans un temps limité de je ne sais pas 4 secondes avant qu'ils se régénèrent. Et je peux leur faire ça, donc alors, attention. Non, dégage. Et sac, voilà, je vole du sable. Alors, évidemment, le jeu est un petit peu mal fait. Allez, HP-le. Donc là, ralenti de ouf, malade. La dague prend le sable dans le corps de ses hôtes. Et ça te pensait du gameplay. Je les terrassais, ils se relevaient. Bien vite, j'ai compris que je ne pouvais les délivrer de leur malédiction qu'en prenant à l'intérieur de ma dague le sable qui les possédait. Voilà. Alors normalement, le combat n'est pas fini, faut que j'aille par là pour activer les autres. Alors vous voyez, j'ai rempli tout de, toute ma dague de sable, de réservoir. Mais si vous voulez prêter attention sur, le, sur ce qui se dessine sur le... sur le réservoir tout en haut, il y a un petit croissant qui apparaît. Ce croissant, en fait, à chaque réservoir de ressable que vous avez et toutes les 16 absorptions, et bien cela forme un nouveau croissant qui vous donnera accès à un pouvoir. Pouvoir que vous pouvez utiliser avec R, qui est soit de. Alors, soit c'est R enfoncé qui remonte le temps, qui utilise un réservoir dans ce cas-là. Soit c'est R juste appuyé une fois sec qui ralentit le temps. Alors là normalement je n'aurai pas ses ennemis. Alors ce que vous voyez aussi à côté de moi, ça va être un point de sauvegarde. Point de sauvegarde qui permet des choses, notamment de sauvegarder, mais pas que. Cette cinématique vous l'explique. Donc maintenant vous entendez du bruit derrière moi, c'est complètement normal. Donc ces points de sauvegarde vous permettent aussi d'avoir une vision dans le futur des potentielles actions que vous pouvez faire. Et aussi potentiellement vous montrer le chemin et aussi de nouvelles choses. Donc vous pouvez pas sauvegarder, je vais pas sauvegarder. Et normalement le prince devrait reparler normalement. Vous me croyez fou ? Je le vois bien à votre regard. Vous vous dites que mon récit est invraisemblable. Peut-être ai-je perdu la raison, en effet. Ce serait normal, compte tenu des horreurs que j'ai vues. Mais je vous assure que ce que je vous raconte est on ne peut plus vrai. Bien. Donc, je pense que je vais m'arrêter là. J'avais prévu de continuer un petit peu plus loin, mais je pense que je vais m'arrêter là. J'espère en tout cas vous avoir donné envie d'y jouer avec ce... C'était bah, cette vidéo qui aura quand même duré peut-être une petite demi-heure, j'ai pas un limite de chrono. Si vous voulez plus d'informations, je vous renvoie, je vous invite à regarder la vidéo de Bablinon sur le Prince of Persia qui rajoute plus d'éléments de gameplay, qui va faire découvrir d'autres choses et qui est bien. Parce que Bablinon. Je vous remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous l'avez regardé jusqu'au bout, mettez fais un vrai jeu, nom de Dieu. Merci à tous. N'oubliez pas, comme d'habitude, de laisser des commentaires si vous avez des idées de jeux rétro. Peut-être que je les ferai s'ils sont bien. Si vous avez des fan games, si vous voulez me conseiller d'autres choses, de mettre un pouce en l'air ou de mettre un pouce vers le bas, comme vous voulez, de partager cette vidéo pour que personne ne la regarde. D'ailleurs, regardez les autres vidéos que j'ai pu faire. De vous abonner si vous avez envie, si ça vous intéresse. Merci à tous, bon jeu et à la prochaine.